Conseil municipal de Morneuil du mois de mars. Welcome everybody to the municipal council meeting for March. Content que vous soyez ici en grand nombre. Il faisait clair jusqu'à à peu près une heure là, avec le changement d'heure. Ça fait toujours que les gens sont un petit peu plus de bonne humeur. Donc, comme d'habitude, les questions sont à la fin de la réunion. Juste vous nommer clairement, puis on va essayer de répondre le mieux qu'on peut à toutes vos questions. If there's any questions in English, please don't be shy to ask. Is there anybody that doesn't understand French here? You don't understand French? Okay. Would you like us to do the meeting? Je comprends un peu. Pas de problème. Donc, on va faire la réunion dans les deux langues. Ça marche? Membre du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. You have seen the agenda. Is there any questions or modifications? Une modification ou question? Non. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Procès verbal du 14 février 2024. Adoption of the minutes of the February 14th, 2024 meeting. Vous avez pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des modifications ou corrections? Aucune. Okay. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Oui. Je propose. Monsieur. Saunier, excuse-moi. Monsieur Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. So we're adopting the minutes of the February 14th council meeting. 4.2, procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 20 février, minutes of the Planning Advisory Committee of February 20th, 2024. You have all looked at the minutes, vous avez toutes regardé les minutes. Est-ce qu'il y a des modifications, questions? Non. Qui propose l'adoption du procès verbal? Madame Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.3, procès verbal de la séance du comité consultatif en environnement du 12 février, minutes of the Environment Advisory Committee from February 12, 2024. Vous avez tous pris connaissance du procès verbal. Everybody looked at the minutes. Is there any questions or corrections? Correction ou question? Okay. Qui propose? Propose. Monsieur Saunier. C'est mon comité. Monsieur Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.4, procès verbal de la séance du comité de démolition du 14 février, ajourné au 21 février 2024. Minutes of the Demolition Committee meeting that was from February 14th. It was adjourned to the 21st, 2024. Donc, vous avez pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des corrections ou questions? Non. No questions or corrections on the Demolition Committee. Qui propose l'adoption? Je propose. Mme Patton propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Rapport sur le suivi des dossiers. Report regarding the follow-up of dossiers. C'est pour dépôt. It's for tabling at council. Rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Également pour dépôt au conseil. So, report regarding the use of delegated power is for tabling at council. 4.3, rapport sur le transfert budgétaire, report regarding budgetary transfers. Si je ne me trompe pas, M. Dépin, il n'avait pas ça aussi. No, there were none. So there was no budgetary transfers this month. We will go to 5.1, finance and administration expense statement, donc bordereau de dépenses. Monsieur Lemire. Oui, j'ai revu le bordereau de dépenses pour la période du 1er février au 29 février. Qui s'élève à 1,805,037 $. Okay, so the total expenses for this month were $1,805,037. It is recommended for adoption by Monsieur Lemire. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 5.2, état des activités financières, statement of financial activities. Monsieur Lepin. Je n'ai pas encore de remarques à ce stade-ci. On est en début d'exercice financier. On remarque quand même qu'il y a un solide début au niveau des revenus de mutation immobilière. Et évidemment, on a un hiver qui est assez clément avec nous, qui va certainement là, générer certaines économies. Mais encore là, il faut attendre de voir jusqu'à la fin de l'année. Donc, it's a little early in the season to make any predictions on the statement of financial activities. We seem to be seeing lots of transactions, so the droit de mutation should be okay as to our predictions. And we've been lucky so far with snow removal, since we haven't had to transport snow
to Mirabel many times. We should be saving money at that front end. But we have to wait till December for the full snow budget. 5.4.1, adjudication de l'émission de billets, renouvellement d'emprunt d'hiver, adjudication of the issuance of banknotes, renewal of various loans. Monsieur Dupont. Alors, ici, donc, on a deux résolutions, puis des résolutions, on est habitué de voir lorsque l'on renouvelle des règlements d'emprunt, donc à l'article 5.4.1 et 5.4.2, les deux sont interreliés. On parle de renouvellement d'emprunt pour un montant de 600 500. Alors, il s'agit de renouveler l'emprunt pour le règlement 554-2018, c'est le règlement sur les travaux de voirie de 2018, et le règlement 668-2023, qui lui est le règlement sur les travaux de voirie 2023. Donc, dans le cas du règlement 554, on parle d'un montant de 299 000. Dans le cas du règlement 668, 301 500. Il y a un appel d'offres conformément l'article 1066 du Code municipal qui a été mené par le ministère des Finances pour aller chercher les meilleures conditions possibles de renouvellement d'emprunt. Alors, le ministère a reçu trois soumissions, soit la Banque royale du Canada au taux réel, un taux réel de 4,67% sur 5 ans, la Caisse des Jardins, Vallée des Pays d'en haut à 4,68% sur 5 ans, et la troisième soumission était celle de Financière Banque nationale à 4,7% répartie sur 5 ans. Évidemment, la recommandation qui est faite, c'est de procéder avec la Banque royale du Canada à un taux de 4,67%. Je signale au membre du Conseil que c'est une première tendance à une baisse des taux d'intérêt depuis un bon bout de temps. Alors, on voguait à 5,1-5,2% depuis un an et demi environ. Alors, c'est intéressant à constater. C'est bon. Peut-être un petit résumé en anglais, juste pour les montants. Yes. See my notes. So, in accordance with Boring Bylaws number 554-2018, regarding 2018 roadworks, and 668-2023 regarding the roadworks of 23. The municipality wishes to issue a series of notes, one note per term, and the municipality has requested in this regard through the electronic system bids for the sale of a note issue dated March 20th, 2024 in the amount of $600,500. So there was a public call for tenders for the sale of the above mentioned issue, and we received three tenders, one from Royal Bank of Canada at the interest rate of 4.67%. Also, Caisse des Jardins de la Vallée des Pays d'en haut at 4.68%. And finally, the Financière Banque Nationale at 4.7%. Recommendation is to allow the notes to Royal Bank of Canada since it has the better conditions at 4.67%. Thank you very much. Qui propose l'adoption de l'émission de billets? Le maire propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 600 500 $. Qui sera réalisé le 20 mars 2024, concordance and short-term resolution regarding a loan by bills in the amount of $600,500 to be completed on March 20th, 2024. This is the concordance resolution for the short-term bill emission that we just mentioned in the other resolution. Donc, c'est la résolution de concordance pour l'émission de billets dans la résolution précédente. Donc, exactement la même chose. Donc, qui propose, Mme Cossette propose que les règlements d'emprunt soient financés au premier alinéa et que les billets sont datés du 20 mars 2024. Donc, proposé par Mme Cossette, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4.3, vente de gré à gré du lot 3,736,241 rue Beaulieu, sale by mutual agreement on lot 736,241 rue Beaulieu. Oui, alors, en
Madame Clara Grilly a déposé une offre en vue d'acquérir le lot 3 736 241 de la réserve foncière de la municipalité le 3 janvier dernier. Le conseil a manifesté son ouverture de principe à vendre ce lot de gré à gré au prix de la valeur marchande telle qu'établie par le service de l'évaluation foncière. Le lot ne présente aucune vocation particulière pour les fins municipales. C'est un très petit lot en triangle enclavé le long de la rue Beaulieu. Le service d'évaluation foncière a déterminé que la valeur marchande du lot est de 8 428 et Mme Grilly a confirmé son assentiment à procéder à l'acquisition de ce lot à la valeur marchande et d'assumer tous les frais de la transaction. Donc, l'objet de la résolution, c'est d'autoriser cette vente-là et d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'acte de vente devant le notaire pour une somme de 8 428 plus taxes. So, in English, this is Clara Grilly submitted an offer to purchase a lot 3,700,036,241 from the municipality's land reserve on January 3rd, 2024. Council has indicated its willingness to, in principle, to sell this lot by mutual agreement at a market value as established by the Real Estate Taxation Department. This lot has no particular use for municipal purposes, and the Real Estate Taxation Department has determined that the market value of said lot is $8,428. This is really to confirm her agreement received with the purchase of the said lot at its market value and by assuming all costs related to the upcoming transaction. So the purpose of the resolution is to authorize transaction and also authorize the mayor and the director general to sign the forthcoming agreement. Merci. Qui propose la vente du petit lot? Madame Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 544, rapport sur l'application du règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle en 2023. A report for the application of bylaw 571-219 regarding contractual management in 2023. Monsieur Lebrun. Oui, alors donc je dépose un rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Je signale donc au membre du conseil que dans ce rapport, il y a une certaine analyse de la dernière année. On comprend que très grande. On parle de 98% des contrats de la municipalité sont des contrats de moins de 25 000 $, donc qui sont souvent donnés sous délégation. Donc, on travaille toujours de façon très serrée pour s'assurer qu'il y a un bon encadrement du côté de la gestion de ces contrats-là. Et ceci étant dit, en 2023, 11 contrats ont été alloués de gré à gré par résolution du conseil municipal, 22 contrats par appel d'offres sur invitation, et 10 contrats par appel d'offres public. Alors, I'm presenting the report regarding the application of the bylaw regarding contractual management. And in this report, it is stated that 11 contracts were allowed by resolution of council. 22 contracts were allowed after a call for tender on invitation, and finally 10 contracts were allowed by a public call for tender. Thank you. Donc c'est pour dépôt, c'est pour tabling à council. Merci, M. Lepin. 545, mandat du contentieux de la municipalité pour représentation devant le tribunal administratif du logement. Mandate to represent the municipality before the Administrative Housing Tribunal. Oui, bien sûr. Alors, la municipalité a reçu une opposition au changement d'affectation du logement qui est au 83 chemin du lac Écho de la part de, du locataire. Donc, ça fait suite à un avis d'éviction qui a été émis par la municipalité le 21 septembre 2023. L'opposition a été déposée devant le tribunal administratif du logement, évidemment. Il faut prévoir la possibilité qu'on puisse se rendre en audition devant le tribunal administratif du logement. Et donc, il s'agit ici de mandater le contentieux de la municipalité, soit la firme PEV Avocat, pour représenter la ville devant le tribunal administratif du logement. So, the municipality received an objection to the change of use of the dwelling at 83 Lake Echo Road from the tenant following a notice of eviction issued by the municipality on September 21st, 2023.
This opposition was filed with the Administrative Housing Tribunal, and the municipality must be represented in this matter by its law firm. Qui propose de mandater PFD pour une représentation? Madame McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.1, rapport mensuel de directeur du service d'incendie, director of the fire department, monthly report. Is there any questions? Est-ce des questions? Ça va? Rapport mensuel de la Sûreté du Québec, Sûreté du Québec, police department, monthly report. Any questions? Non. Ça va? Il y a pas mal de contraventions. Effectivement. Travail. 6.1, embauche d'un pompier junior, hiring of a junior firefighter. Is it a bit? Oui, alors nous avons encore quelques postes, en fait encore deux postes à combler. On a trouvé une candidature très intéressante pour un de ces postes au service de sécurité publique et incendie, donc on parle d'un poste de pompier. Et conformément donc à nos politiques en vigueur, à la convention collective des pompiers, nous avons procédé à un appel de candidature pour combler des postes disponibles et vacants. On parle de postes de pompier à temps partiel et sur appel. Comité de sélection qu'on a proposé du directeur. Les officiers sous service procéder à l'analyse des candidatures et recommande l'embauche de M. Tristan Duchesne de Quentin à titre de pompier junior et premier répondant en partiel sur appel aux conditions prévues aux politiques en vigueur et à la convention collective. So, the fire department, in accordance with the policies in effect, and the firefighters collective agreement proceeded with a call for candidacies to fill available and vacant part-time and on-call positions of firemen. And the selection committee comprised of the director and officers of the public and fire safety department proceeded with the analysis of candidacies received and to the pertinent interviews. Selection committee's recommendation is to hire Mr. Tristan Duchesne Quentin as part-time on-call junior firefighter and first responder at the conditions stipulated to the policies in effect and pursuant to the terms of the collective agreement. Merci beaucoup. Qui propose l'embauche de M. Tristan Duchesne? Madame McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Et on souhaite la bienvenue à M. Duchesne Quentin au sein de notre brigade. Yes. 7.1, rapport mensuel de directeur des travaux publics qui est par conséquent notre directeur général pour ce mois-ci. Donc, c'est pour le dépôt, en tout cas, pour ces questions. Non. Ça va? No questions on the Public Works Director's Monthly Report. 7.2.1, contrat service de conciergerie Chalet-Bellevue, contract for janitorial services at Chalet-Bellevue. Alors, appel d'offres sur invitation pour le service de conciergerie de Chalet-Bellevue. On se souvient que le mois dernier, nous avions procédé à un premier appel d'offres pour lequel il n'y avait eu aucune soumission déposée, donc on a repris le processus le 15 février dernier et les entreprises qui ont été invitées sont les suivantes: entretien optimal, Servitou, encore entretien, NS entretien ménager et André Sills. La municipalité a reçu une seule soumission conforme, c'est celle de l'entretien optimal, donc qui a soumis un prix pour 2024-2025 à 61 258,68 $ taxes incluses et pour 2025-2026 à 62 472,81 $. Et donc, c'est à l'intérieur des budgets, des estimés qui étaient prévus. La recommandation est d'allouer le contrat à entretien optimal. So, for janitorial services at the Chalet-Bellevue, so the administration proceeded with a call for tenders on invitation on February the 15th of 2024 for janitorial services at Chalet-Bellevue, with possibly, so for a one-year contract with the possibility of an optional additional year to five potential suppliers, entretien optimal, servitou, aka entretien, NS entretien ménager, André Sills. So the municipality has received one compliant offer from entretien optimal. So for 2024-2025, $61,258.68, including taxes, and for the optional year, so 2025-2026,
at $62,462.81. Recommendation is to allow the contract not only for 2024 and 2025, but for the additional years. Merci beaucoup. Donc, qui propose de trouver le contrat pour les deux années? Madame McLeod propose. Moi, d'accord. Oui. Merci. 722, contrat service de marquage de chaussée 2024 et 2025, contract 2024 and 2025 pavement marking services. Je vais vous en faire un, vous voulez bien, si vous voulez, pour vous donner un break. Donc, considérant les exigences et les besoins de la municipalité en matière de marquage de la chaussée, considérant l'estimé des coûts du contrat pour le marquage de chaussée fondé sur l'historique des dernières années, attendu l'appel d'offres lancé via la SAO le 15 février 2024, considérant le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle et ses règles sur la conduite des appels d'offres pour les contrats de plus de 50 000 et moins de 133 800, considérant que la municipalité a reçu une seule soumission dans les délais prescrits par le devis, soit LinkFit Inc. pour 83 931 $ en 2024 et 83 931 $ en 2025, considérant que les soumissions déposées sont conformes et considérant que les vérifications requises par la loi ont été effectuées et que le soumissionnaire possède les attestations requises de l'Agence du revenu du Québec et n'est pas inscrit au registre des entreprises non autorisées. Il est proposé d'octroyer le contrat pour le service de marquage des chaussées pour l'année 2024 à LinkFit au montant de 83 931 $ taxes incluses, mais pas pour 2025, et que le directeur général soit autorisé à signer l'entente de service selon les modalités du document, dont copie et s'y joindre. So, considering that the municipality's requirements and needs with regards to the tracing lines on the road, considering the estimate of costs on a contract for the tracing lines based on previous year's history, whereas the call for tenders via SAO was sent on February 15, 2024, whereas bylaw 571-219 regarding contractual management and its regulations for the process of call for tenders and written contracts of more than $50,000 and less than $133,800, considering the municipalities received one quote from the least stipulated in the specifications, specifically from LinkFit Inc., for the amount of $83,931.75 for 2024 and the same amount in 2025. Considering the offer presented complies with the specifications and considering that the verifications required under law were done and that the tenderer has the certification required by the Quebec Revenue Agency and is not listed in the non-authorized business registry, it is proposed to grant the contract for the marking of lines for 2024 to LinkFit Inc. in the amount of $83,931.75, including taxes, and that the Director General be authorized to sign the service agreement to which he must authorize the payment as per the terms of the document attached herewith. Pour ceux qui suivent les réunions du conseil, vous savez que le mois passé, on avait eu deux soumissionnaires pour les lignes et on trouvait que c'était trop cher. On a retourné à l'appel d'offres en considérant, en essayant de savoir pourquoi c'était plus cher, pas trop de réponses. Puis là, le deuxième appel d'offres, on reçoit une seule soumission plus chère que le premier. Mais là, rendu où ce qu'on est rendu dans la saison, si on veut qu'il y ait des lignes de tracé à Moore Heights, bien, on va accorder le contrat pour 2024 uniquement à ce soumissionnaire-là et on va faire un exercice pour savoir comment on pourrait faire autrement en 2025 et 2026. So those of you who have been following council meetings for the last couple months know that last month we rejected the bids for lines for 2024 and 2025 because we found them too expensive. So we decided to inform ourselves why that was the case and didn't seem to come up with suitable answers from the bidders. We re-went for tenders, got one bid, and the total amount was higher than the tenders that we got last time. So we decided to go for 1 year of marking of lines because the farther we get into the season, the less chance we have of having lines marked in the municipality for the right period of time. And we're going to try and figure out another solution for 2025 and 2026 for the marking of lines in the municipality. Qui donne, qui autorise le contrat? Mme Cossette, proposé. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7, 2, 3. Ah, je vais laisser à ce moment-ci, excusez-moi, Mme Patnaud de prendre la présidence de la réunion, puisque. Non, ça, pas celui-là. Excusez-moi, je me trompe de réunion. Je me trompe de résolution. 7, 2. Ouais, 7, 2, 3. Acceptation provisoire. Travaux de parage, chemin du village entre Carver et la route 364,
temporary acceptance paving work on Chemin du Village between Carver and the Route 364. Monsieur Dupin. Oui, en juillet 2023, la municipalité, donc le conseil a octroyé un contrat de réfection de la chaussée Chemin du Village entre Carver et Route 364 à pavage multipro. Alors, les travaux ont été, qui étaient prévus ont été réalisés conformément au devis. Le directeur des travaux publics, des infrastructures, des ingénieurs au projet recommande l'acceptation provisoire des travaux suivant la recommandation des pièces justificatives qui sont jointes dans la résolution. Et donc, l'objet de la résolution, c'est d'accepter la réception provisoire des travaux prévus au contrat octroyé suivant une retenue de 5 % telle que recommandée par les ingénieurs au projet directeur des travaux publics. Alors, a resolution was adopted in July 2023 concerning the awarding of a contract for pavement repairs on Village Road between Carver and the 364 Road, pavage multipro. And the work under this contract was carried out in accordance with the specifications. And the Director of Public Works and Infrastructures and the engineers involved in the project recommend the provisional acceptance of the said work in accordance with the recommendation and supporting documents. So the purpose of the resolution is to accept the provisional acceptance of the work stipulated in the contract awarded in July 2023 with a 5% withheld recommended by the Director of Public Works and the engineers. Merci beaucoup. Qui propose l'acceptation provisoire des travaux de parage? Je propose. Madame McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Là, à ce moment-ci, je vais passer la réunion à ma mairesse suppléante, Madame Carole Patnaud, qui va prendre cette résolution puisque ça concerne l'entreprise David Riddle Excavation, dont je suis un employé. Madame Patnaud. Donc, c'est pour une acceptation finale d'un PAVL 2022 concernant la réfection de pavage durant deux, Belle-Île, Lakeshore, Castiville et Group. Donc, final acceptance PAVL 2022 paving repairs on the road to Belle-Île, Lakeshore, Castiville and Group. Donc, considérant la résolution 162-05-22, relative à l'octroi d'un contrat pour la réfection de chaussée durant deux, Belle-Île, chemin Lakeshore, chemin Christiville et la rue Groux, à David Riddle Excavation et Transport. Considérant le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle, considérant que les travaux prévus au dit contrat ont été réalisés conformément au devis, attendu que le directeur des travaux publics et des infrastructures et les ingénieurs au projet recommandent l'acceptation provisoire des 10 travaux suivant la recommandation et les pièces justificatives jointes à la présente, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente, puis d'accepter la réception finale partielle des travaux prévus au contrat octroyé dans la résolution 162-05-22 pour la réfection des chaussées durant deux, Belle-Île, chemin Lakeshore, chemin Christiville et rue Groux, suivant une retenue de 5 % telle que recommandée par le directeur des travaux publics et des infrastructures et les ingénieurs au projet. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'acceptation finale? Madame McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, Monsieur le maire, vous pouvez revenir. Merci beaucoup. Bien fait. Peut-être, Monsieur Lépine, juste faire un petit résumé en anglais de qu'est-ce que. Oui, so there was a resolution in May of 2022 concerning the awarding of a contract for pavement repairs on Rank 2, Village Road, Lakeshore Road, Christieville Road, and Grove Street to David Riddle Excavation and Transport. The work under this contract was carried out in accordance with the specifications, and the Director of Public Works and Infrastructures and the engineers involved in the project recommended the final acceptance of said work in accordance with the recommendation and supporting documents attached. So the purpose of the resolution is to accept the partial final acceptance of the work stipulated in the contract and with the 5% holdback as recommended by the director and the engineers.
Merci. Thank you. 725, contrat approvisionnement en asphalte pour l'année 2024, contract supply of asphalt for 2024. Donc, attendu que le budget de fonctionnement 2024 de la municipalité prévoit des crédits budgétaires de financement de travaux de réparation des routes et chemins de la municipalité, dont le remplacement d'asphalte, considérant le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle, considérant la politique d'achat, considérant les articles 6 à 7.3 du règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle, ainsi que la politique d'achat et d'approvisionnement de la municipalité, cette dernière requérant au moins 2 offres de services écrites après validation et besoin et estimé des coûts. Attendu que l'offre de services écrite la plus avantageuse est celle d'Uniroc au montant de $36,164.80 taxes en sus. Il est proposé d'octroyer un contrat d'approvisionnement en asphalte à Uniroc au montant de $36,164.80 taxes en sus et de mandater le directeur des travaux publics et des infrastructures afin de donner suite à la présente résolution. Ça, c'est l'asphalte qu'on utilise par nos employés pour faire des patchs minimales ou remplir des trous. So, whereas the municipality's 2024 operating budget provides for budgetary appropriations to fund repair work on the municipality's roads and highways, including the replacement of asphalt, considering bylaw 571-219 respecting contract management, considering the purchasing policy, considering section 6 to 7.3 of bylaw 571-219 respecting contractual management as well as the municipality's purchasing and supply policy, the latter requiring at least 2 written offers of services after validation of needs and cost estimates, whereas the most advantageous written offer of services is that of Uniroc Inc. in the amount of $36,164.80 plus tax. It is proposed to award the contract for the supply of asphalt to Uniroc in the amount of $36,164.80 plus tax, and to authorize the Director of Public Works and Infrastructure to carry out this resolution. Qui propose l'octroi de contrat d'asphalte? Je propose. Madame Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 731, sélection du mode de collecte des matières résiduelles pour certaines rues de la municipalité. Donc, attendu que la MRC des Pays d'en haut a déclaré sa compétence en gestion des matières résiduelles, attendu que l'appel d'offres 2024-01 GMR concernant la collecte des bacs roulants et le transport des matières résiduelles, déchets, matières organiques et encombrants a été lancé par la MRC, attendu que l'appel d'offres comprenait plusieurs options, dont la collecte par camionnette dans les petites rues, attendu que la MRC veut connaître l'opinion de la municipalité quant à la poursuite de la collecte par camionnette sur son territoire, attendu que le territoire de la municipalité est divisé entre les blocs nord et sud, attendu que la municipalité connaît les prix soumis lors de l'appel d'offres. Il est proposé de notifier la MRC que la municipalité désire se prévaloir de l'option de la collecte par pick-up sur son territoire pour les 2 blocs. Je pense que c'est important de vous expliquer un peu c'est quoi tout ça. Les contracteurs ne veulent plus aller dans les rues privées avec les gros camions. Donc, dans l'appel d'offres, la MRC a mis une option de collecte par pick-up. Donc, ce qu'ils veulent savoir, c'est si la municipalité de Morin Heights veut continuer à faire la collecte de porte-à-porte dans les petites rues et les rues privées. La réponse est oui, parce que l'option B, ça serait que tout le monde emmène ses vidanges sur le bord de la rue principale, qui n'a aucun bon sens. Fait qu'on leur signale qu'on veut continuer à ramasser les vidanges porte-à-porte dans les petites rues et les rues privées. So, whereas the MRC, the Pays d'en haut, has declared itself competent in the management of residual materials, whereas the call for tenders 2024-01 GMR concerning the collection of wheeled bins and the transportation of residual materials, say that 5 times fast, rubbish, organic matter, and bulky items was launched by the MRC, whereas the call for tenders included several options, including collection by pickup truck, whereas the MRC wishes to know the municipality's opinion on the continuation of pickup collection in its territory, whereas the municipality's territory is divided between north and south blocks, and whereas the municipality is aware of the price submitted during the call for tenders. It is proposed to notify the MRC that the municipality wishes to take advantage of the pickup collection option on its territory for both blocks. Like I said in French, the MRC or the contractors that pick up garbage don't want to send big trucks into small roads anymore. So the MRC put out an option in the contract to collect garbage by pickup in these smaller roads, and what they want to know is if the municipality is willing to pay for that service, and the answer is yes, because the other option would be for everyone to bring all their garbage on the private roads to the edge of the main roads, which makes absolutely no sense. So, yes, we're going to continue to pick up garbage door to door in all the private roads in the municipality. Qui propose? Monsieur Lemay propose.
Tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Matt. Oui, vas-y. Peut-être souligner qu'à l'intérieur de la résolution, il y avait l'ajout de la rue Ramsey. Effectivement, j'étais sur nos pages, désolé. Donc, on the list of roads that was included by the MRC, Ramsey Road was not there, so we're asking them to add Ramsey Road on the list of roads that was submitted by the MRC. 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Donc, report regarding the treatment of petitions and requests. Everybody take a look at the report. Is there any questions or questions? Ça va? Merci. 7.5.1, levée de probation, Jonathan Charbonneau-Roy. End of probation, Jonathan Charbonneau-Roy. Monsieur le président. Oui, alors Monsieur Charbonneau-Roy, il a été embauché à titre de mécanicien de service de travaux publics et des infrastructures le 14 juin 2023. Sa période de probation de 8 mois a été complétée. Évaluation très positive, donc par le directeur de travaux publics et des infrastructures par intérim. Et donc, la recommandation est faite au conseil de mettre fin à l'approbation de M. Charbonneau-Roy. Voilà ce qu'il y avait à dire là-dessus. Donc, Mr. Charbonneau-Roy was hired as a mechanic at the Public Works and Infrastructures Department on June 14, 2023. The 8-month probation period has been completed. It was a positive, very positive evaluation with Mr. Charbonneau-Roy about the acting director of public works. So recommendation is to end or terminate Mr. Charbonneau-Roy's probation. Thank you. Qui propose la fin de l'approbation de monsieur? Madame Patelin propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 7.6.1, avis de motion et dépôt de projet, règlement 751-2024. Pour voyant au financement de la réflexion de la partie nord du chemin Watson et des Chantants en empereur en conséquence. Notice of motion and presentation of draft bylaw 751-2024, providing financing for the repairs to a section of chemin Watson and decree a loan for this purpose. Donc, tout ce qu'on fait ce soir, c'est de passer l'avis de motion. On ne sait pas si les travaux vont être faits en 2024. On attend les confirmations des subventions de la TEC, la taxe sur l'essence. Et le conseil prendra une décision à une date ultérieure, à savoir si on va faire les travaux ou non, à ce moment-là, dépendamment du pourcentage de subvention qui est octroyé par la TEC. Donc, on veut juste sauver un mois. Fait que si jamais on a une confirmation pour la TEC, bien, on sauve un mois pour l'avis de motion, si on veut aller de l'avant. Donc, qui donne l'avis de motion? Le conseil donne l'avis de motion. M. Lemire donne l'avis de motion? C'est un chemin qui me tient beaucoup à cœur. Oui, passer ça deux jours. Hein. Était d'accord, M. Oui. Une remarque intéressante, c'est qu'en examinant les documents budgétaires déposés par le gouvernement hier, on y trouve les sommes d'argent qui vont être nécessaires pour le renouvellement de la TEC. Non, mais c'est des bonnes nouvelles. Au moins, on va. Il reste qu'à Ottawa et Québec de 100 ans. Ça peut toujours être long. Dans le même texte, M. Lépine, j'ai un deuxième paragraphe qui parle de la citation de l'Église anglicane Trinity. D'après moi, une correction. Le deuxième paragraphe en français, c'est marqué le projet de règlement 751 sur la citation de l'Église anglicane. Je pense qu'il y a un petit coquille. Donc, on va corriger ça dans le procès verbal, si vous permettez. Donc, l'avis de motion est donné par M. Lemay. Merci. 8.1, rapport mensuel du directeur par intérim en urbaniste, Acting Director's Monthly Report in Urbanism. Is there any questions? Non. Rapport sur les permis et certificats, report regarding permits and certificates. So for those that are interested, there is, somewhere between 6 and 8 houses built in more nights. We're going to go for an average of 7. So far, we'll get the number right next month, but it's somewhere in those. Donc il y a à peu près entre 6 et 8 maisons, on est encore en flottaison sur les statistiques, là, mais on va dire qu'il y en a 7 de construits à date à more nights en 2024. 8.3, rapport d'activité de la Société de protection et de contrôle des animaux. Mais malheureusement, on n'a pas reçu de rapport. We didn't get a report from the Animal Protection and Control Society this month. So, we will go straight to the minor derogations, si vous voulez, et les PIIA. Donc, le premier, c'est 8.4.1, dérogation mineure, 37 rue Cloverleaf. Minor derogation, 37 Cloverleaf Road. Monsieur Lépine. Oui. Alors, donc, demande de dérogation mineure de régulariser la présence d'une construction accessoire résidentielle de type abri d'auto implantée dans la marge avant au 37 rue Cloverleaf. Donc, cette marge de recul avant
construction d'accessoires de type abri d'auto existant. Et donc, actuellement, depuis en fait qu'elle a été construite à 2,84 mètres de la ligne avant, alors que la réglementation en vigueur prévoit une marge de recul avant minimale de 7,5 mètres. Donc, cette demande-là, ça vise à permettre la régularisation des travaux effectués par les anciens propriétaires. Là, on parle de travaux qui remontent à 1998. Ouais, ah, ben, évidemment, le comité consultatif d'urbanisme a étudié donc, cette demande de dérogation mineure-là et on recommande l'approbation par le conseil. So, yes, allow me to make my English translation. So, you see here, so the requested exemption for the property located at 37th Flubber Leaf for the construction of a carport type accessory building on the front yard, specifically 2.84 meters from the property line, whereas current regulations require a minimum front setback of 7.5 meters as shown on the, of course, certificate of location. The CCU has studied that request and makes a positive recommendation to council to approve. I just want to see the photo of the carport. Petit garage. C'est le petit garage ici qui est là depuis 1998. C'est juste une régularisation d'une situation actuelle. Ça. Donc, dans le conseil, est-ce que vous avez des questions sur la dérogation mineure? Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions sur cette dérogation mineure-là? Is there any questions on this minor derogation? Alors? Donc, on ferme la réunion sur la dérogation mineure à 20h11. Qui propose l'adoption de la dérogation mineure pour le 37 rue Provost? Oui. Donc, ça propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 842, dérogation mineure, 49 rue Dwight. Minor derogation on 49 rue Dwight. Oui, alors ici, c'est une plantation d'un garage détaché à l'intérieur de l'espace délimité entre la façade avant du bâtiment principal et la ligne avant du terrain, alors que la réglementation en vigueur exige l'implantation à l'extérieur de cet espace. Alors, on voit là, ici donc un extrait du plan d'implantation de ce garage-là en question. Évidemment, il y a une impossibilité, il y a un préjudice sérieux là, pour le demandeur actuellement. C'est une impossibilité de construire le garage dans la bande riveraine, évidemment, du côté gauche. On le voit sur le plan ici. Et il ne peut pas déplacer son système de traitement d'eau usée qui est actuellement là, du côté droit, donc qui est plus en vert. Donc, ça laisse bien peu de marge de manœuvre. Le comité consultatif d'urbanisme également étudie cette demande-là et en recommande donc l'approbation par le conseil. So, the requested exemption for the property located at 49 Dwight for the construction of the detached garage-type accessory building in the front yard, 8 meters from the property line, whereas the current regulations do not allow the attached garage type accessory buildings in the front yard, and this conditional to the site plan being signed by the land surveyor prior to the issuance of the building permit, of course. But there was no real other alternative for the demand. In the case of that demand, the CCU studied the minor derogation request and makes a positive recommendation to council. Si, y a-t-il des questions sur la dérogation mineure, mon conseil? Non. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions sur cette dérogation mineure-là, au 49 rue Dwight? On voit très bien que du côté, mettons qu'on est dans la rue, côté gauche, c'est un milieu humide, côté droite, c'est son installation septique, donc il n'y a pas bien de la place pour mettre un garage. C'est pour ça que le CCU a recommandé l'adoption. Bon, bien, merci. On va fermer la réunion de consultation publique sur la dérogation mineure à 20h14. Et qui propose l'adoption de la dérogation mineure? Madame Moufard propose. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Merci beaucoup. 843 PIIA, lot 3 206 809, chemin du lac Noiret.
SPAIP, that's the first time I've ever pronounced that acronym. Lot 3206809, Chemin du Lac Noiret. Ça, c'est un PIA qui est implanté à cause que le bâtiment se trouve au-dessus de l'élévation de 350 mètres. That's a PIA, that's required because the lot is higher than 350 meters above sea level. Donc, monsieur le président. Oui. Alors, Chemin du Lac Noiret, venez de le mentionner, secteur d'élévation 350 mètres et plus, maintenant soumis au règlement sur les PIA. Il s'agit ici de la construction d'un bâtiment principal. Évidemment, le comité consultatif d'urbanisme étudie la proposition, recommande au conseil son acceptation. So, there was a request for approval by site planning and architectural integration program was submitted by the owner of the property of the settlement on Lake Noiret Road, Zone RV1, and all or part of the lot is located in an elevation of 350 meters or more. The owner has submitted a proposal to proceed with the construction of a main building in accordance with bylaw 647-2022 regarding SPAIPs. And the Urban Planning Advisory Committee has examined its proposal and recommends council's approval. Thank you very much. Donc, membre du conseil, il y a des questions. Peut-être montrer une photo de la maison qui va être construite. C'est la maison qui, la première vue, c'est vue de la rue. Et deuxième vue, c'est vue si vous êtes sur le bord du lac. Donc, il s'intègre bien dans la nature. Donc, membre du conseil, pas de questions sur le PIA? Non. Dans la salle, il y a des questions sur ce PIA-là. L'objectif étant que la maison ne soit pas trop visible puisqu'il est en hauteur, mais il est, pas sur un, il est très haut, mais il n'est pas sur un top de montagne qu'on peut voir ailleurs. À hauteur du lac. Du lac. Y a-t-il des questions? Any questions on that? PIA? Ah, c'est même pas une consultation publique. Hein? Non. C'est... Regarde. On est plus, plus transparent. Donc, merci. Madame Cosette propose l'option du PIA. Merci beaucoup. 844 PIA, lot 3,738,321, chemin Forest Hill. SPAIP, lot 3,738,321, chemin Forest Hill. Oui, alors, même type de demande. Donc, maintenant sur le chemin Forest Hill, zone RV2, secteur d'élévation, encore une fois, bâtiment principal. Et donc, CCU a étudié la proposition, recommande au conseil. De l'accepter. So we're in the same kind of situation than the previous resolution. So we're located in zone RV2 in an elevation sector of 350 meters or more. And it's also concerning the construction of a main building in accordance with the bylaw, the Urban Planning Committee has examined this proposal and recommends council's approval as previous resolution. Merci. On va juste montrer une petite photo de la maison qui va être construite là. Donc, ça, c'est la maison. Donc, membre du conseil, qui propose l'adoption du PIA? Je Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.1, rapport mensuel de notre directrice des loisirs. Y a-t-il des questions? Non. 9.1, dépôt, rapport de consultation publique sur le règlement 752-2024 sur la citation de l'église anglicane Trinity et son cimetière au patrimoine culturel local. Donc, le directeur général va déposer au conseil les résultats de la consultation publique tenue relativement au règlement 752-2024 sur la citation de l'église anglicane Trinity et son cimetière au patrimoine local. So, the tabling of report on the public consultation regarding bylaw 752-2024 to recognize the Trinity Anglican Church and its cemetery as a local cultural heritage site. So the Director General will present council who acknowledges receipt of the results of the public consultation held for bylaw 752-2024 to recognize the Trinity Anglican Church and its cemetery as a local cultural heritage site. Donc, pour le dépôt, Monsieur Dupont? Oui. Et la consultation publique était live sur le web. Pour ceux qui veulent le visionner, il doit être encore sur le site. Merci.
951, mesure spéciale de la circulation et stationnement de la cadre, dans le cadre de Pantapic 2024. Special traffic and parking measures for Pantapic 2024. Monsieur Lebel. Oui, alors, demande du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, relativement à la tenue de l'événement Pantapic 2024, le 6 avril prochain à Summit Moore Heights. Alors, l'objet de la résolution est d'autoriser donc une restriction de circulation en sens unique sur la rue Bennett les 6 et 7 avril 2024 en direction ouest, de requérir de nos policiers, donc service de police de la Sûreté du Québec, une tolérance de stationnement le long de la rue Bennett les 6 et 7 avril 2004, et évidemment de permettre à Pantapic, à Summit Moore Heights, de pouvoir prolonger la période limite du prix extérieur de 18 heures, tel que c'est prévu par règlement la fin de semaine. C'est le même genre de mesure que lorsque l'on tient la journée de la Confédération. So the purpose of that resolution is to authorize a one-way traffic restriction on westbound Bennett Street on April 6th and 7th, 2024, to request the SQ parking tolerance along Bennett Street on April 6th and 7th, 2024, and to allow Pantapic event and Summit Moore Heights to extend the outdoor noise limit beyond 6 p.m. So it's regarding the Pantapic 2024 event that will be held on April 6, 2024 at Summit Moore Heights. Je vais juste mentionner que le stationnement va être permis seulement sur le terrain de Skimmore Nights et la section de la rue Bennett entre Kicking Horse et la 329, pas en avant de Primrose. Tout ça, c'est à partir de l'entrée de Skimmore Nights, on s'en allait. On n'est même pas sûr qu'ils vont en avoir de besoin, tout ça, là. Mais on le fait un coup qu'il y a beaucoup de monde. Là. Ça dépend beaucoup de la température, hein, ces événements-là. Il y a une traversée du lac, il y a des courses de montée en haut pour monter en haut de la pente de ski, puis il y a un événement de slopestyle aussi qui va se faire dans la piste Sept-Îles ces deux journées-là. Fait que ça va être un bel événement si la température est avec nous. Sur la traduction du habituellement l'événement, c'est quoi cool down? Comment ça s'appelle? Ben, il n'y avait pas avant. Hein? Ça se trouvait Pantapic, c'est à Saint-Adolphe, qui ont décidé de déménager à Moorland. Avant, il y avait le Splash Cup à Moorland. Ah, mais là, il n'y en a pas parce que Pantapic va le faire à leur place. C'est l'équivalent du Splash Cup. Ouais. Mais avec plus d'activités. Je propose. Madame McCloud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller à 961, embauche d'une apparatrice préposée au service de la clientèle et surveillante de plateau. Hiring of attendant, customer service agent and supervisor. Alors, cette résolution vise à obtenir de votre part, d'entériner l'embauche de Madame Kim Labelle à l'échelon 1. La politique de rémunération des employés du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Madame Labelle est déjà en poste depuis quelques semaines, mais c'est l'objet de la résolution. So the purpose of this resolution is to ratify the hiring of Mrs. Kim Labelle on level one. So in accordance with the terms of the remuneration policy for the employees of the recreation, culture and community live department. Merci, Mme Cossette propose l'embauche de Mme Labelle. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Dans le conseil, vous avez pris connaissance des lettres reçues et envoyées par la municipalité. Pas de questions? Non. Ça va? Donc, moi, j'aimerais peut-être juste féliciter le service des loisirs pour l'événement patinage disco qui a eu lieu le mois passé. 150 personnes sont venues patiner, comme dans l'ancien temps qu'on faisait avec des patins à roues. À roulette dans les anciennes affaires, mais on faisait ça à glace. C'est un bel événement, un beau succès. So I'd like to congratulate the Loisir Service for the disco skating event that they had last month. It was really, really nice. 150 people showed up and everybody had a good time. So that's it. Membre du conseil, est-ce que vous avez d'autres choses avant la période de questions? Donc à ce moment-ci, on va essayer de répondre à vos questions le mieux qu'on peut. We're going to try to answer your questions the best we can. I just asked if everyone that has a question, come up to the mic, name yourself, and we will try to answer your question. Donc, juste vous présenter au micro, vous nommez, et on va essayer de répondre à vos questions le mieux qu'on peut. Libre-vous, je vous dis après. La première chose que je veux faire, pour moi, j'ai fini à tout. La chose que je veux faire, c'est de vous remercier, M. le maire, pour l'implication excessivement rapide et immédiate pour faire avancer le dossier des problèmes qui se passent à la MRC. En termes de l'aréna, ça a été vraiment bordélique. Ça s'en va dans la bonne direction. Et si ça n'a pas été de vous, je
pense qu'on sera encore à l'attente. Alors, considérant que vous n'êtes jamais occupé et que vous m'avez rappelé le lendemain du courriel et que vous avez fait demander à M. Benet qui m'avait aussi, ça avait fait beaucoup de choses. Alors, je vous applaudis pour ça, puis c'est grandement apprécié. C'est, je pense, une élection de avec le conseil municipal. La question que j'ai pour vous, elle n'a rien à voir avec ça. On voit beaucoup dernièrement, 10% des élus dans les municipalités démissionnent parce qu'ils ont du harcèlement. Il y a certaines municipalités où ce que c'est que les conseillers et les conseillères ne s'entendent pas très bien non plus. Qu'est-ce qui se passe? Quelle prévision qui a été faite? Est-ce qu'il y a beaucoup de harcèlement qui se fait auprès des élus, auprès des employés de la municipalité? Et quelles mesures ou quels outils la municipalité a pour pouvoir défendre ses membres du conseil et ses employés? Pour les employés, on a une politique de harcèlement en milieu de travail. Donc, nous devons, comme employeurs, fournir un environnement de travail sans harcèlement, que ce soit de nature psychologique, sexuelle ou ainsi de suite. Donc, la personne responsable de la mise en application de cette politique-là, c'est M. Lépine. Donc, si un employé se trouve à être harcelé de quelque façon que ce soit, on a toute une procédure qui est en place et les employés sont au courant. Au niveau des élus, c'est un petit peu plus compliqué. Comme vous avez vu, les élus ne sont pas exactement traités comme les employés. On n'est pas protégés par les mêmes choses, sauf qu'ici, à Morneite, à date, je pense qu'on est bien. Les gens de Morneite, c'est des bonnes personnes. On peut avoir des différences d'opinion, hein, comme tout le monde, mais je pense qu'à date, ça se passe dans un environnement assez cordial et respectueux. Puis on va essayer, nous de notre côté, du conseil, de continuer à promouvoir cette méthode de communication-là. Je pense que c'est important, mais il y a des élus qui le vivent. Et je sais pertinemment, dans d'autres municipalités alentours, c'est difficile. On a vu la mairesse de Piémont qui a démissionné après 6 mois de poste. Il y en a eu d'autres. C'est important que les élus soient outillés, je vous dirais, un peu comme les employés. Je pense que nos fédérations commencent à réaliser ça et mettre de la pression sur le gouvernement pour que des lois soient passées pour protéger et encadrer, aider les élus à cheminer dans ces dossiers-là. Fait qu'on espère que ça va être le cas. Moi, j'espère que si jamais un conseiller se fait intimider ou quoi que ce soit, ils vont m'en parler. À date, je suis pas sûr que la communication est bonne, fait que je suis sûr que je vais en entendre parler. Puis moi, je m'engage à avoir le même rôle que M. Lépine a envers les employés. Bien, je vais prendre le même rôle envers mes conseillers municipaux, puis c'est moi qui vais s'occuper de ces dossiers-là au conseil municipal. Il faudrait qu'il y ait des dates dans la loi aussi pour vous aider à protéger. Oui. Quasiment tu mets des mots là. Allez, merci. Merci beaucoup. C'est résumé en anglais pour monsieur. Non, je crois pas les questions. Oui. J'ai deux petites questions. Oui. Tantôt, on parlait des dérogations. Moi, je viens du domaine de la morale, puis je suis président de l'association, et je reçois des fois des demandes pour bâtir des maisons, plusieurs terrains qui se vendent. Puis dernièrement, j'ai eu une demande, le monsieur m'a soumis ses plans. C'est sûr que chaque plan nous est soumis à Gosbon. C'est pas lui qui doit l'approuver, mais Gosbon. Mais le monsieur me disait que ses normes, ses balises, ses limites de terrain, n'étaient pas légales et qu'il y avait eu l'autorisation de la ville. Ça se peut pas. Fait que j'étais un peu surpris, j'ai dit à nouveau de lire quelque chose. Tantôt, on écoutait M. Lépine, j'ai dit oh non, il faut que ça passe par ici, évidemment, pour avoir une dérogation. Bon, parfait. Ça va m'aider dans le futur. Dans votre cas, vous avez des normes qui sont plus sévères que nous autres à certains égards. Donc, nous, on passe dessus au niveau de notre permis, mais vous avez un droit de regard dans les titres, hein, si je ne me trompe pas, M. Cassongué, oui, qui vous permettent de dire certaines choses, même au-delà des normes de la ville. Fait que c'est jamais moins sévère, mais toujours plus sévère. OK. Bon, parfait. Ça a été refusé parce que quand on refusait des plans, ça a facilité les choses. Deuxième chose, je voyais que vous avez une liste ou des rues que vous allez repaver. Est-ce qu'il y a déjà une liste préétablie pour toutes les rues qui sont à repaver dans, oui, à Morneite? Oui, on a fait une évaluation, une auscultation de toutes les rues par un géorabord. Ça, c'est un camion qui se promène, puis il regarde l'état des chemins, la composition de la fondation, la composition de l'asphalte, puis il y a une liste de priorités qui a été établie. Dans la liste de priorités, il y a 3 sections. Il y a des sections qu'on peut avoir des subventions à 75 % avec un programme qui s'appelle le PEEL. Il y a des rues qui sont assujetties aussi à des subventions de 50 % avec le programme qui s'appelle le PAVL. Et des rues qui sont locales, qui ne sont pas subventionnables du tout. OK.
Il y a un autre programme qui s'appelle aussi le TEC qu'on a parlé tout à l'heure. Ça, ça subventionne presque uniquement, je vous dirais, les routes où il y a de l'aqueduc en dessous. Fait que nous, on priorise les routes en fonction de l'état de la route et en fonction de l'état de l'aqueduc. Pour cette année, on n'aura pas une grosse année de travaux de construction. On a eu zéro subvention au niveau du PAVL et zéro subvention au niveau du PIIRL. On l'a eu dans les années passées. Il n'y a pas assez d'argent dans l'enveloppe pour toutes les demandes de toutes les municipalités. Donc, j'imagine qu'il faut une rotation. Fait que cette année, je vous dirais, on se limite à des travaux mineurs sur le chemin Blue Hills. Je ne sais pas si vous avez été sur le chemin Blue Hills récemment. Ça, puis un roller coaster, là, c'est pas mal la même affaire. Fait que il y a des grands travaux à faire là. On a un petit budget pour être là, mais on va se concentrer là. Et si jamais on a l'approbation de la TEC dans un délai raisonnable, il y a la section de la rue Watchorn, où c'est l'aqueduc qui est désuète, là, entre la 364 et la rue Belle-Île, qui sont sur l'agenda pour cette année. Mais le tableau, on l'a déjà fourni aux membres de l'association. Je peux vous le redonner, si vous voulez, le tableau. Oui, de toute façon, on va en parler. Puis, puisque le monsieur vous a félicité, je vais en profiter aussi. C'est peut-être votre soirée. Félicitations. Mais nous, au Balmoral, derrière, on a eu des grosses inondations. Comme vous savez, vous, monsieur Mann, vous étiez là. On l'a apprécié énormément. Ça a été un gros dommage. Il y a des gens qui ont. On nous en parle encore, là, puis on s'en parle dans le futur. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a des choses qui sont passées depuis ce temps-là, entre, je sais que ça vient du domaine de Marcel à Saint-Sauveur, un peu, oui. De l'endroit-là. Est-ce qu'il y a d'autres démarches que maintenant? Oui, nous autres, on a fait faire une expertise par une firme d'ingénieurs sur la provenance de l'eau de Saint-Sauveur. Puis, on a eu des rencontres avec les services techniques de la ville de Saint-Sauveur. Donc, il y a des pourparlers qui sont en cours présentement pour essayer de régler le dossier. On est pas rendu à faire des travaux, mais on s'en va dans ce sens-là. Puis j'aimerais juste peut-être souligner en même temps la bonne collaboration qu'on a avec vous et toute l'association du domaine Balmoral. Je pense que la coopération est de mise dans notre relation. Merci. Bien, ça fait plaisir. Merci. Merci à tout le monde. Yes, sir. Bonjour. My name is Sebu Mastrajan. As you know, I live on Bolo on Sommeil there. Yeah. With the spring approaching quickly, of course, construction season is starting, and of course, as Mr. Mayor knows, I'm very affected by the new development that's going there, but I have a few questions that have confused me, and I would like to, if you sure. could give me an update or a clarification. Last year, I saw when they were basically clear-cutting the trees in the back, all of a sudden, there was a stop work order signed on there. So I didn't understand what was that about, if it's going to continue. Number two is the developer, Mr. Filon. I saw that he had posted on his Facebook page that he was selling lots rather than the house fully like done. You know, he was just selling lots at that point. I believe he was asking 200,000 plus per lot and whatever. So I didn't understand. Did he give up on the project and now he's just trying to liquidate the land that he has? My concern in regards to that, I understand progression has to go on, city's got to grow, whatever it is, this and that. One of my concerns here is that on the last time we had the meeting in regards to this, we were discussing the state of the road that goes up our mountain. And at that time, it was made clear to us that a repaving or the major repair of that road would not occur until the new development was completed because all that equipment would redamage the road as it is, so it would be money spent out for nothing. Unfortunately, our road, and I understand we're on a long list. Every road has to be fixed. As I think about it, this is the problem here. This is the weather, it's the climate, it's whatever it is. Unfortunately, our road is getting so bad so that I drive a big Ram 1500 truck and I can't go more than 20 kilometers up an hour on a 40 kilometer road without being bouncing around in my thing. And I always worry about my wife's car, what damages I'm going to end up having, and how long are we going to have to wait until somebody does this development so that we could move on to a phase where we could have a proper road that goes up there without us worrying about being damaged to our property, personal property,
And it is dangerous because I've seen, you know, places where people have gone to the bumps either to avoid the bumps or the bumps have made them jump into the other lane. Yeah. And so these are some of the questions that I don't know what it is. Okay. Is it going on or it's not? Thank you. Sure. I'll start with the first one. The tree cutting one. The entrepreneur said he was just cutting trees that had fallen to after the big windstorm, which was not the case, so that's why we stopped him. So he said he was doing a cleanup, but he was doing a little more than a cleanup, so we stopped him for now, and he's only allowed to cut the trees that are going to be done for the houses, so that's why that stopped. Okay. The second thing is he's selling lots or houses. There's nothing in the bylaw that stops him from selling just lots. So it's his land, don't force me. Exactly, that. Yeah. It's his land. For your road, if the development takes years and years to do, of course we're going to make an effort and fix the road, because I know Beaulieu is a very, very bad road. We know our director general lives up on top of the road. He goes there every day, so he tells us how it damages his car also, so we know about it. If we see that after 2 years there's nothing happening, well, the major repair on the road will be done. Yeah, my question was, because I'm sure you're in more contact with Mr. Filo. I've never been in contact with him or looked to be in contact. I'm sure in a project that size, he would be in contact with him, and he would have might have gave you an update and tell you, you know, I'm putting this on the back burner for a few years, or what's going on, or we're moving forward. I got the trucks, warming up for the spring. Yeah. I thought you might have had an update for us. I haven't been speaking with Mr. Filo recently. I could. And see what's going on, but I think it's a lot about the interest rates. I think people, absolutely, you know, absolutely. The interest rates went up, so a lot of construction has slowed down. Right. But I could talk to them and get back to you if you'd like. Yeah, thank you very much. Appreciate it. You're welcome. Good day. Okay. D'autres questions? Madame Colette. Bonjour, Madame Colette. Juste, s'il vous plaît, répétez en français ce que oui. Vous avez dit à Madame. Absolument. La première question de monsieur, c'était de savoir pourquoi on avait arrêté la coupe d'arbres dans le projet de M. Fillon. Ce que j'ai dit, c'est que la préparation de M. Fillon, c'est qu'il ramassait tous les arbres qui avaient été tombés par le vent dans la dernière tempête, puis nous autres, on juge que ce n'était pas le cas. Donc, on a arrêté les travaux chez Boisement. Et il va juste déboiser les sections qu'il a besoin pour construire les maisons dans les terrains qu'il va vendre. Donc, le déboisement est arrêté. Deuxième question, c'est de savoir est-ce que le projet il est au ralenti et est-ce que M. Fillon vend juste ses terrains et ne fait pas des maisons? La réponse est je ne le sais pas. Et il n'y a rien dans la réglementation qui empêche M. Fillon de vendre des terrains et ne pas bâtir des maisons dessus. Il peut les vendre à quelqu'un d'autre peut bâtir des maisons dessus. C'est dans le possible. Et la dernière question était de dire que si le projet est ralenti pendant plusieurs années et il n'y a rien qui se passe, est-ce que la municipalité va attendre encore à la fin de ça pour réparer la route? La réponse est non. Si on voit que ça freine trop et la route devient dangereuse, bien on va s'en occuper. C'est les trois réponses que j'ai données à M. Monsieur. OK, merci. Juste deux petites questions pour mon intérêt personnel et peut-être aussi de nos voisins. Vous avez parlé que vous aviez acheté un petit morceau de l'eau sur la Beaulieu. On l'a vendu. Vendu, oui. Oui. Excusez. L'acheteur est quelqu'un qui est à côté? Un des voisins, oui. Un des voisins, okay. Oui, qui voulait agrandir son terrain. OK, donc pas la maison qui est incendiée, mais l'autre voisin, j'imagine. Je pense que c'est la maison incendiée, je ne me trompe pas. Donc la maison incendiée, pour le terrain, aurait été vendue. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il voulait acheter le petit triangle. Si vous regardez sur le cadastre, il y a un petit triangle entre ces deux terrains-là, qui appartenait à la municipalité. J'imagine qu'on l'a ramassé à une vente de taxes à un moment donné. Puis la personne voulait agrandir son terrain, fait qu'on a regardé ça, puis pour nous autres, il n'y avait pas de possibilité. Fait que vous êtes au courant si le terrain de Mme Charlotte a été vendu ou pas? Je ne sais pas. Ah, monsieur Lépine, une réponse, je sais pas. En fait, le terrain, il a abouti au curateur public. Okay. Le curateur public a donné des mandats à un courtier en valeur courtier immobilier pour vendre le lot. Et la transaction vient de ça, donc de la broker qui veut compléter le lot à partir du lot de la maison incendiée. Puis évidemment, le tout petit lot là, qui est en triangle, là, qui appartient à la municipalité, il va venir, il est contigu, alors il viendrait compléter. Donc, il va être avec le lot de la maison. Oui. Voilà. Merci. Merci, Mme Bélier. D'autres questions? Oui, la coupe du Tour au Québec.
pas une question, mais c'est une belle information, effectivement. Pour ceux qui restent sur le chemin Jackson, vous avez vu qu'Hydro-Québec a commencé à couper des arbres. Bien, c'est pas juste le chemin Jackson qui va être affecté par ça. Il y a une coupe, qui va être faite sur, je vous dirais, une bonne partie des routes de la municipalité. M. Lépine, il va le mettre présentement, mais on va mettre le lien sur le site web. Là. Pour ceux qui n'aiment pas manquer d'électricité, mais c'est pour ça qu'Hydro-Québec, ils font ça. Il a coupé donc, sévère. Ils coupent les arbres, ça a l'air des coupes à blanc, c'est pas beau. Mais dans deux ans, vous allez voir, c'est pas si pire que ça. Ils ont fait Blue Hills une couple d'années, tout le monde, c'est la fin du monde. Là. Puis en fin de compte, les repousses poussent tranquillement, puis ça apparaît moins. Mais c'est vraiment pour la protection électrique des gens, pour qu'ils manquent d'électricité un peu moins souvent. Donc, désolé. Pas d'erreur. Mais là, on n'a pas l'Internet. Hydro-Québec, leur Internet marche. Oui. Oui, c'est ça. D'autres questions? Yes, Dr. Mann. Two quick questions. Good evening. Good evening. Have you made a decision yet about Environment and Family Day? There is going to be in May, si je ne me trompe pas, M. Lépine, je ne me rappelle pas par cœur, là. Yes, we had 2 days before, eh? And now I think we're trying to regroup everything in 1 day. I don't know by heart the date, I think it's in May, but I'll get M. Lépine to send you the actual date. Okay. And the second point, I don't know if you've been following the news, there's been a 25% increase in ransomware attacks, particularly on municipalities. I'm just wondering whether Moreton Heights as a cybersecurity program. We do. And Michel Grenier is our finance director, is in charge of the cybersecurity. We are, as I'm not a cyber expert, but apparently we are one of the best protected municipalities around here. Yeah. So as far as okay. I know. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Allô, bonsoir tout le monde. Je ne suis pas résident de Moreton Heights, mais j'espère le devenir un jour. Ah, vous serez toujours le bienvenu, mon cher Moussou. J'essaie de... Votre nom, juste avant de partir. Alexandre Duvier. Oui. J'essaie d'acquérir un lot qui appartient à M. Denis Robert sur le chemin Hillside. Puis en faisant des recherches, puis en parlant avec votre inspecteur Dave Roy, il m'a indiqué que pour les constructions sur des terrains vacants sur les chemins privés, les chemins privés devaient être reconnus par la ville, ouais, selon les règlements que vous avez passés en février 2023. Oui. Et M. Robert avait obtenu les permis de construction juste au préalable. Je ne sais pas pourquoi le projet n'a pas avancé. Donc là, le terrain actuellement, selon les règlements municipaux, vu que le chemin Hillside, qui a la rue Hillside d'un côté, le chemin Hillside qui est privé, il n'est pas sur la liste. Donc, ce terrain-là est considéré comme non constructible pour le moment. Ouais. Je ne sais pas si vous avez été mis au courant de ça. Non. On en a parlé avec M. Roy, Philippa, qui est l'agent inscripteur pour ce terrain-là ici. OK. Je pense que c'est peut-être un oubli, la façon que M. Roy avait répondu à ce courriel, il disait « Oh, c'est possible qu'on en a rajouté d'autres dans le passé, là, des rues comme ça. Fait que, c'est possible qu'on le rajoute. Mais M. Lépine, il y a un... Je vous confirme, la recommandation est en route là, pour l'ajouter à la liste. En question, c'est un loup qui a ajouté à la liste. OK. On peut penser dans le prochain loup? Bien, ça prend minimum un mois. Le mois prochain, on va... C'est ça, oui. Oui, pas sur moi, c'est ça, oui. Merci. Ah. Okay, bon. C'est utile. Moi, une question. Jean Dutille. On parlait des hivernes sur la moitié au bas. Les chemins privés. Oui. Pas toutes les chemins privés. Ah, OK. Les chemins privés où ce que c'était ramassé avant. OK. OK. On veut garder le statu quo. Quand j'ai votre chemin, ouais, vous amenez pas des vidanges au bout. Oui, là, on est quand même 300 mètres de... Oui. Ouais. 300 mètres de chemin. Bien, remarque, vous êtes quand même beaucoup, ce chemin-là. C'est peut-être quelque chose qui pourrait être envisagé. On est quatre. Oui, mais quand même. On est quatre. Effectivement, vous devrez avoir les mêmes services que tout le monde. On va le regarder, puis s'il faut, on va le rajouter. Okay. C'est une bonne idée. D'autres questions? Ben, M. Lemire? Je te propose de lever l'Assemblée. Merci beaucoup. Et s'il y a des choses personnelles que vous voulez discuter après la réunion du conseil, bien, on reste pour jaser avec vous. Bonne soirée tout le monde. Everybody have a good night. On se dit une excellente.